Et bien tout le monde, c'est Quentin Crazy Game, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau crack de jeux vidéo, on se retrouve pour le crack de Car Mechanic Simulator 2015, donc c'est parti, passons tout de suite au tutoriel. Alors dans la description, vous aurez un torrent à télécharger, donc celui-ci, donc le Car Mechanic Simulator 2015, voilà. Donc une fois téléchargé, bah, vous l'exécutez comme ceci. Hop. Du coup, là, il me dit que je vais dire, donc je fais non, mais vous le téléchargez. Le jeu fait 1 giga, donc c'est un petit jeu, voilà. Une fois téléchargé, vous double-cliquez dessus, vous faites continuer. Et hop, vous avez dans les dossiers du jeu. Donc moi j'ai déjà transféré ces deux archives dans mon dossier de tutoriel, donc je me permets de fermer ce dossier-là, mais vous gardez l'ouvert. Voilà. Donc maintenant, reprenons nos archives. Vous allez donc sélectionner vos deux archives et faire clic droit. J'ai dit clic droit. Extraire ici. Moi c'est déjà fait, donc j'ai extrait ma Car Mechanic Simulator 2015 1.0.5.7, voilà, bref. Ici, donc c'est la Car Mechanic Simulator 2015. Voilà. Mon archive Smart Steam Emu 136B. C'est celle-là, c'est la Smart Steam Emu ainsi que le SSE Launcher. Voilà. Donc, une fois que vous avez extrait tout ça, vous allez lancer le SSE Launcher comme ceci. Ça vous ouvre un petit donc émulateur en quelque sorte. Vous ouvrez votre Car Mécanique Simulator 2015 comme ceci. Vous prenez votre CMS 2015. Hop. Il vous affiche ceci. Donc, ça dépend. Des fois, il le met, des fois, il ne le met pas. Si jamais c'est pas bon, vous changez l'idée qu'ici, si vous avez 0, c'est pas bon, vous mettez 320300. En gros, ça fait 320300. 320 300, si vous préférez. Voilà. Voilà, donc si jamais ça vous l'a pas mis, vous mettez ça. Et si vous avez une fois que vous avez ça, vous faites save. Généralement, non, sur le disque dur local, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à cette idée-là. Mais sur le disque dur externe, comme moi, justement, il ne trouve pas l'idée. Hop, il met 0. Voilà. Une fois bah, que vous avez mis ça, vous pouvez double-cliquer ici et vous jouez pleinement au jeu. Donc voilà, si on clique, non, ça va lancer et sur le mauvais écran. Voilà, vous avez pu entendre le magnifique bruit du jeu se lancer. Voilà. Du coup, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et j'ai oublié de préciser les choses. Si jamais vous fermez ceci et que vous voulez le relancer, lancez surtout pas ça. Lancez ça. Et voilà, vous êtes réussi, vous pouvez lancer. Voilà, du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin de Crazy Game. À plus, peace!